Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans un 101% qui va défourailler grave, puisqu'on va retrouver la critique de Duke Nukem Critical Mass, Money Shot, le Tokyo Café et des news pour commencer. TriAce, les célèbres développeurs de séries comme Valkyrie Profile ou encore Star Ocean, nous ont dévoilé récemment une démo technique tournant sur console HD. Ici, la prouesse semble venir du fait que nous n'avons pas affaire à de la cinématique, mais bel et bien à du temps réel. L'occasion pour nous de constater la maîtrise des jeux de lumière et le savoir-faire de cette équipe d'une manière générale. En revanche, TriAce a tenu à préciser que ces images ne sont aucunement liées à un quelconque jeu en développement, même si les fins observateurs que vous êtes auront remarqué dans cette vidéo certains éléments issus de la série Star Ocean. On attend maintenant de voir ce que le développeur japonais nous prépare dans les mois à venir, en espérant que ça se passe sur console HD, que ça commence par Valkyrie Profile et que ça se termine par 3. Nouveau trailer pour Dungeon Siege 3. On nous présente cette fois-ci Anjali, une archonte ayant la capacité de se battre sous plusieurs formes, à savoir la forme humaine et sa forme naturelle d'esprit du feu. On en profite pour rappeler que, malgré le report du jeu au 17 juin prochain, les joueurs PC qui auraient la bonne idée de précommander Dungeon Siege 3 sur Steam se verront offrir la version single player de Dungeon Siege 1 et 2. C'est confirmé, la prochaine production très attendue de Mizuguchi Tetsuya, Child of Eden, sortira sur PS3 en septembre, soit 3 mois après la version 360. Et pour nous faire patienter, on termine ces news avec un petit trailer intitulé Synesthesia. C'est beau! Peut-être que certains des moins de 12 mois qui nous regardent ne connaissent pas encore Duke Nukem. Pourtant, il y a eu une énorme campagne avec la sortie de Duke Nukem Forever sur les consoles next-gen. Pour resituer un petit peu Duke Nukem, c'est un gars, il est comme ça, il est super balèze, bien baraqué, un petit peu comme Mehdi, mais en plus blond. Et je me disais, quand même, pour l'adaptation DS, qu'est-ce que ça va donner? Parce que Duke Nukem, c'est un violent. Il tire dans tous les sens, les gens ils explosent, tout. Il leur arrache la tête et il leur défait que dans le cou. Et surtout, il y avait des jeunes femmes peu vêtues et opulentes. Hein. Je refais le geste pour ceux qui n'ont pas bien compris, les moins de 12 mois. Très opulentes. Alors bon, je me disais, oh, sur la 3DS quand même, ça va donner. Mais c'est sur la DS. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? J'ai vu qu'ils en avaient fait un 12+, mais quid? Cela fait maintenant plusieurs semaines que le 1er avril est passé, avec ses poissons et son lot de farces plus ou moins inspirées. Pourtant, des développeurs continuent de nous sortir des blagues, à l'image de ce Duke Nukem Critical Mass.
Lorsqu'à la rédaction de No Life, on a affaire à ce type de jeu, on est évidemment tenté de prendre sa plus vilaine plume pour décrire la violence à laquelle on vient d'être exposé. Et c'est à peu près dans ce genre de processus que nous allons nous inscrire. Shake it, baby. Duke Nukem Critical Mass est un titre développé sur DS par Apogee Software, un studio américain qui n'a pas bossé depuis 1997. On y retrouve notre Duke en prise avec des extraterrestres du futur. Et c'est à peu près tout concernant l'histoire, le jeu se basant en grande partie sur le charisme du Duke et non sur un scénar quelconque. Critical Mass s'inscrit à la base dans une trilogie prévue sur DS et PSP, mais compte tenu de la médiocrité hallucinante du titre, on espère vraiment y échapper. En gros, le jeu propose plusieurs styles de gameplay, allant de l'action en scrolling horizontal au FPS en passant par le shoot'em up. L'action se déroule sur l'écran du haut alors que l'écran tactile nous affiche différentes informations, comme le type d'arme, les munitions ou la vie, et permet également de viser grâce au stylet. Si l'on comprend le principe qui vise à multiplier les expériences de jeu grâce aux différents gameplays proposés, on reste toutefois perplexe devant le travail complètement bâclé des développeurs à tous les niveaux. C'est bien simple, ici tout est acheté. La difficulté mal calibrée, la prise en main, la réalisation plus que minable, bref, le projet dans son ensemble. Visuellement, Duke Nukem Critical Mass est aussi vilain que la mort d'une colombe pendant un lâcher de colombe. C'est pourtant un feeling que l'on ressent en permanence durant les quelques missions que le titre a à offrir. À la limite, si on avait eu affaire à une production trash et extrême, mais complètement assumée, pourquoi pas? Mais là, on est dans du 12+, le King et ses babes ne peuvent même pas s'exprimer pleinement, ça n'a vraiment pas de sens. You're my hero. Come to daddy. On prend donc énormément de déplaisir à avancer dans ces niveaux et on appréhende la prochaine séquence. Le plus triste dans l'histoire, c'est que, de par son aspect totalement raté à tous les niveaux, Critical Mass risque de faire du tort à une série plutôt originale qui en a bavé pour revenir sur le devant de la scène. La nullité de ce Duke Nukem atteint donc un seuil critique qui nous pousse à relever les noms des personnes ayant participé à ce projet de manière à ne plus se faire avoir à l'avenir. Et puisqu'à No Life, on vous partage nos expériences, on ne saurait trop vous conseiller de ne pas vous aventurer dans celle-ci. Même pour le délire, même pour faire une farce à vos potes, non. Et parce que les blagues les plus courtes sont les meilleures, on s'en tiendra là pour cette critique. When you see him, crush him and bring me his head. Un 100% qui défouraille. Après Duke Nukem, Money Shot. Oui, parce que Money Shot, c'est quand même l'actualité du cinéma, hein, on va pas se leurrer. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on voit au cinéma? On voit des gens qui tirent dans tous les sens, qui braquent des banques, qui kidnappent des enfants. Où sont nos bonnes vieilles comédies romantiques, hein? Les coups de foudre à Nottingham Palace, Heureusement que le prince, au moins, il se marie. Quoique, peut-être qu'il va y avoir une super fusillade pendant le mariage. Ce serait gore, ça. Puis en plus, si ça arrive, j'aurais pas la mal. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, l'auteur de ces lignes n'a trouvé aucun point commun entre les films présentés pour lancer l'émission, puisque l'on parlera de Wrecked et des Trois Mousquetaires. Adrien Brody est un acteur plutôt particulier dans l'industrie cinématographique, car contrairement aux autres comédiens qui sont soit généralement bons, soit le plus souvent mauvais, Brody navigue constamment entre les deux eaux. Sa carrière en danse peut en témoigner, oscillant entre le génial, ce qui lui a valu une pluie de récompenses pour sa prestation dans Le Pianiste, et les mauvaises performances, voire même les contre-emplois évidents, l'acteur a du mal à revenir sur le devant de la scène. Pourtant, à la vue des premières images de Wrecked, Adrien Brody semble plutôt convaincant. Il y joue le rôle d'un homme qui se réveille coincé dans une voiture ayant subi un accident de la route. Sauf qu'il ne se souvient plus de rien, ni de son identité, ni de ce qu'il a fait pour se retrouver dans cette situation. Arrivant à s'extraire du véhicule, non sans difficulté, cet homme devra faire face à une nature hostile et à son trouble passé. Un pitch plutôt alléchant mêlant survival et thriller sur fond de perte de mémoire. Wrecked signifie anéanti, et on espère que ce ne sera pas le cas de Brody vu que le film est sorti très discrètement aux US. D'autant plus qu'il n'a toujours pas trouvé de distributeur et on ne sait pas si le film arrivera sur nos écrans français. Yesterday killing a female teller and a security guard. Considered armed and dangerous and
last seen driving a gray Chevrolet. Identified as George Weaver and Raymond Flatt. My name is Raymond. Décrié par les cinéphiles du monde entier, Paul Anderson, à ne pas confondre avec Paul Thomas Anderson, restera pour beaucoup l'homme d'un film, voire deux pour les plus déviants. En effet, le début de sa carrière fut plutôt prometteur avec le débilement fun Mortal Kombat, mais surtout l'excellent Event Horizon sorti en 1998. En revanche, la suite fut beaucoup moins glorieuse avec des projets ambitieux mais maudits comme Soldier. Ensuite, le réalisateur s'est peu à peu embourbé dans une succession de bouses innommables, comme le massacre de la série Resident Evil ou la tentative de destruction de deux des plus grandes créatures jamais créées pour le cinéma. Malgré tout, ses films continuent à rapporter des millions au box-office, ce qui lui permet de continuer son entreprise de destruction massive. Pour son prochain film, le bonhomme s'attaquera au mythique mousquetaire d'Alexandre Dumas. Mais bien entendu, il ne le fera pas comme tout le monde, parce que ce ne serait pas assez fun. Alors, on va rajouter des ninjas, des grosses explosions, des gadgets ultra sophistiqués complètement anachroniques. Une Mila Jovovich en Milady de Winter qui se la joue Alice de Resident Evil en faisant des cabrioles en slow motion. A ses côtés, on retrouvera Orlando Bloom, Til Schweiger et Logan Lerman que l'on a pu voir dans le rôle de Percy Jackson reprendre le costume de D'Artagnan. Malheureusement, quelques talentueux acteurs ont fait l'erreur de venir cachetonner dans cette grande fête au n'importe quoi, puisque l'on y verra Christoph Waltz, Mads Mikkelsen ou encore Ray Stevenson. Bon, on ne va pas vous cacher qu'on n'attend pas grand-chose des Trois Mousquetaires version Paul Anderson, à part se payer une bonne tranche de rire. Cependant, par souci de professionnalisme, nous nous devons de communiquer la date de sortie du film qui est prévue pour le 12 octobre 2011. Au fait, petite précision, le film est en 3D. There are things in this world worth fighting and dying for. We're warriors. It's who we are. The Three Musketeers. I've heard of you. We are surrounded by enemies. War will engulf the entire continent. Only we can prevent the coming apocalypse. D'Artagnan, you want to be a musketeer? This is your chance. Four of us against 40 of them. Was it 40? Or 400? Just 40. It was an off day. Pour finir, voici la dernière bande-annonce de Thor pour rappeler la sortie du film de Kenneth Branagh ce mercredi. Sir, we found it. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Jane, I think you want to see this. You dare threaten me, Thor, with so puny a weapon? What? He was freaking me out! Where did he come from? Name? He said it was Thor. Yeah, for a crazy homeless person, he's pretty cut. How'd you get inside that cloud? Also, how could you eat an entire box of Pop-Tarts and still be this hungry? This drink, I like it. Another! This is going on Facebook. Smile. Your ancestors called it magic, and you call it science. Well, I come from a place where they're one and the same. But who are you, really? You'll see soon enough. God, I hope you're not crazy.
swear to guard the lives of the innocent and preserve the peace. I swear. I will destroy their kind. You can't kill an entire race. And die with them. These people are innocent. I have no plans to die today. Your actions would unleash. Et voilà, ben voilà, on continue dans le gore. Je viens d'apprendre pas plus tard que tout à l'heure que Mademoiselle Suzuka, ça y est, elle aussi, maintenant elle a son permis de chasse. Voilà, voilà. Je viens d'apprendre pas plus tard que tout à l'heure, Mademoiselle Suzuka, elle venait d'avoir son permis de conduire. Félicitations! En même temps, à Paris, un permis de conduire, c'est quand même un petit peu un permis de chasse. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka! 日本もすっかり秋になりました。私はね、秋になって DSi LL を買いました。なんで私がこれを買ったかというと、理由は3秒後。はい、私はね、これを持って実は会いたい人がいるんですよ。何の変哲もないエレベーターに乗ります。はい、4階の扉開きまして、なんと私このスターフィッシュさんというゲーム開発会社さんに来ました。さあ、わかりますでしょうか、このエルミナージュ、ニンテンドー DS から出ているゲームだったり、こちらモナムールです。こんにちは、こんにちは。早速皆さんに紹介したいと思います。こちら自己紹介をお願いいたします。はい、スターフィッシュ SD で、こちらで課長とあとディレクションを務めております西谷千佐子と申します。よろしくお願いします。千佐子さん、私 DS 買ってきました。これ一昨日買ったんですよ。はい、ありがとうございます。私はなんでこのゲーム機を買ったかというと、どうしても遊びたいゲームがあるからだ。この教えてダーリンというのは、なんとゲームではなくてスケジュール管理ソフトです。スケジュール帳なんですけれども、予定がある時や目覚まし時計なんかの機能を男の子がやってくれるんですね。おはよう、時間ですよ。今日も一日頑張ろうね。この3人の男の子の中からお好みの人を1人選びまして、そうするとですね、出会いから始まり仲良くなるにつれて起こし方もですね、変わってきたりするんですよ。目覚めの時間だ、今すぐ起きろ。こんなね、毎日毎日楽しく過ごすためのソフトなわけでございます。普通洗うでしょ、僕ペットだし。ジャンルは何て言えばいいんですかね。一応恋愛スケジュール管理ツールっていう新しいジャンルになっていまして、はい、ダーリン自体は、はい、シミュレーションゲームっていうよりはどちらかというと、はい、こっちの時計とカレンダーを連動して使うシステムになっています。開発に一番苦労なさった点はどこですか。開発は、まず Nintendo DSi の方が、ポイントによって使える容量数っていうのが決まってるんですね。で、その容量が結局ボイス、イラスト、あとシナリオっていうのとで、もう本当にそれをボリューム最大限に入れてしまったことによって、もう常に容量との戦いで、だから本当は入れたいイベントなどもたくさんあったんですけど、あと音声なんかもあったんですけど、結局それを全部もうカットせざるを得ないぐらい、まあ、もうボリューム自体はものすごい入ってます。評判、人気のほどはどうなんでしょうか。そうですね、どちらかというと、今までの日本にはない、乙女ゲータイプらしくて、よくユーザーの方からいただくお声は、スルメゲー、要は噛めば噛むほど味が出るようなゲームだったりとか、あとはその恋愛ジャンルにしてはものすごいちょっと男性が好むような骨太ゲーム
みたいなジャンルのようで、結構あとは長いお付き合いができるっていうことで、評判です。もう本物のダーリンいらないぐらいの。そうですね。いらないぐらい。そうです。で、まずはちょっとじゃ簡単にできるところなんで、タイマー設定して、とりあえず3、はい。何が起きるのか。はいはい。時間ですよ。何？何してるの？この時に、ダーリンに実はボタン操作一切聞かなくて、タッチで、何してるの？で、ダーリン、頭を撫でたり、好きなとこを撫でる、つつく、押し付けるっていうのがあるんです。で、それで、その時のダーリンの気分で、これが変わるんです。で、今、この擦るのがちっちゃいので、あんまり好きじゃない触り方だった。うん、ダーリンの好みを探らないだけなんですね。探って、それで一番ピンポイントになると、さっきのキラキラがすごい大きなキラキラになるので。みんなも、この教えてダーリン、ぜひ日本に来たらダウンロードして、一緒にみんなでスケジュールで誰が一番ダーリンと仲良くなってるか競いましょう。ブブネッコンブブネ。Je l'ai prévenu, hein, c'était un 100% qui défouraillait. Alors, je vous le refais encore un coup ? Ou c'est lourd ? Ah, je vous le refais, je tiens pas. Je me suis entraîné.